Hey yo les gars, comment ça va aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver pour le vlog numéro 4. Aujourd'hui on est mardi et il est déjà bientôt... Il est même pas bientôt midi, il est midi. Aujourd'hui du coup j'ai ce matin, enfin là j'ai travaillé pour mes boulots. Pour ceux qui sont pas au courant, je fais de la communication... Enfin, du community management sur les réseaux sociaux, donc je gère la communauté des, enfin je gère les réseaux sociaux de quelques marques. Et donc voilà, ce matin j'ai fait ça. En plus c'est la période de Noël, donc voilà c'est une période assez intense. Voilà. Et donc là il est midi, je vais aller à la gare récupérer Sacha, qui est une photographe qui était déjà venue au mois de septembre. Elle nous avait fait des photos pépites, c'est que j'adore. Je vous les mets là, si vous les aviez pas encore vues. Elles sont magnifiques, j'aime trop. Et donc du coup là elle revient à la maison cet après-midi pour refaire des photos parce qu'il fait hyper beau. Donc on va en profiter, on va faire plein de photos, ça va être trop cool, je suis trop contente. Donc voilà, un peu le programme de la journée, puis ensuite on verra ce qui va se passer. Demain on est mercredi, c'est le premier jour du salon du cheval. Sachant que moi j'habite vraiment dans le sud de l'Île-de-France et que Villepinte c'est au nord. Nord de l'Île-de-France, je vais aller dormir sur Paris pour me rapprocher un peu pour demain matin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Cette doudoune est si pratique. Regardez, je vous range, hop, dans la poche. Vous savez, ça fait 4 jours que je vlogue. Déjà, j'ai récupéré Sacha, je tiens à vous le dire. Et ça fait 4 jours que... j'ai pas mangé au McDo, du coup c'est un peu bizarre. Du coup me voilà dans le McDo. Et voilà, maintenant qu'on a bien mangé, on va aller faire nos petites photos. Oui. On va aller dans la gâteau. On va faire des photos jusque là. Comme ça, et comme ça en bas on verra pas que j'ai mes grosses bottes. Allez en voiture. Et nous voilà partis pour faire les photos. Il y a le soleil là, là. Là, oui. Comment il est trop beau. Il fait un peu le beau gosse. Il fait sa star. Il est où Sango? Tu l'as mangé? T'es tellement gros, je suis sûre que tu l'as mangé. Sangoku, tous les jours au même endroit. La tête dans son foin. Ça change pas. T'es bien là? Il est trop mimes. On voit même pas sa tête. T'as tes petites oreilles qui dépassent. Ça va? Ils ont crevé leur foin. Oh là là, ils me font trop rire. Vous êtes vraiment des petits phénomènes tous les deux. Hein. Une œuvre artistique. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans un vlog qui m'a demandé comment j'ai fait pour qu'ils fassent ça, mais c'est pas moi. Moi, je leur ai rien demandé de faire. C'est eux, ils ont creusé comme ça au milieu. Ils sont trop forts. Vous faites une œuvre, bientôt vous serez exposé dans un musée. On a eu le temps de faire les photos avec Sangoku et ce facochère, ce cochon, bah il a eu le temps de se rouler. Voilà, voilà, super, merci soleil. Alors qu'il était propre quoi. C'est pas possible ce comportement. C'est vrai que le corps est propre parce que j'avais mis la couette. Intelligence hein. Je m'appelle Soleil, je suis en train de faire mon lance. J'adore la boue. Merci pour ta coopération. Tu mérites un petit bonbon. Un deuxième bonbon pour tes oreilles en avant. Et un troisième bonbon pour ta maman qui t'a fait naître super beau gosse. Voilà. Allez, tu peux t'en aller. T'es insupportable.
Et pour plus de plaisir, viens soleil. Franchement, je trouve ça absolument génial. Ça fait un vrai, une vraie mangeoire. Double plaisir. T'es là, tu manges du foin, t'as des petits granulés. Vous savez, il y a des gens, ils plongent dans la neige. Ah, Sango ! Pas moi, j'ai plongé dans mon foin. Je suis vraiment dans le foin. Dans la meule. Voilà. Et il y a Sacha qui essaie de faire une photo stylée. Oh là là, je m'en prends plein la gueule. Je pourrais tellement dormir ici. Je suis installée, je suis trop bien. Tu parles, il va tirer les cheveux pendant là, la nuit. Il est en train de confondre mes cheveux avec le foin. À l'aide. SOS. SOS d'intérieur en détresse. Bah. Et c'est... Aïe. Oh. Oh non. Oh, ça me dégoûte. Ah, oh, c'est bon, je m'en vais. Poser avec mes poneys. Et ça prend des photos. Yes. Moi, je suis toujours installée dans la meule. Je voulais vous parler d'un petit truc qui est le salon du cheval de Paris. J'y serai samedi à midi, non 11h. Samedi à 11h, on fait un meet-up sur le stand de Forestier avec Marève. Et je pense que ce sera le seul meet-up du samedi. Et j'y serai également vendredi toute la journée. J'ai pas de meet-up de prévu, mais si jamais vous me voyez, voilà, ce serait cool. Vous venez me voir, n'hésitez pas. Donc j'y suis vendredi et samedi, enfin vendredi toute la journée et samedi meet-up à 11h sur le stand de Forestier. Voilà, voilà. Bon. Journée terminée, shooting terminé, retouche de photo en cours. Voilà. C'est juste à côté. Il y a Sacha. Je la ramène chez elle à Paris et moi je dors à Paris pour aller au salon du cheval demain. Ça me rapproche parce que ce matin je vous ai expliqué, moi j'habite au sud-sud-sud et le salon il est au nord-nord-nord. Comme ça je vais au milieu-milieu. C'est plus simple. Voilà, donc c'est parti, direction Paris. Et voilà, et je vous dirai bonne nuit avec Julie tout à l'heure. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez pendant les vlogs d'août cet été quand avec mon papa on était faire un tour chez Ikea et après on s'amusait à monter des meubles pour la sellerie qui n'est toujours pas terminée et je dois vous faire le sellerie tour pour le 25 décembre. Et ben voilà, j'ai une vraie passion pour monter des meubles actuellement. Je visse des roulettes. C'est pas pour ma sellerie, hein, c'est pour l'appartement de Julie, bien évidemment. Mais bon, c'est une vraie passion. Là, mais je suis pas visible. Dans la vie, je monte des meubles. J'adore. On m'appelle Ikea Girl. Franchement, je pense que mon métier, ça devrait être travailler. Oh putain, mon métier, meuf, ça devrait être travailler chez Ikea pour faire, tu sais, refaire tous les montages de meubles. Tous les montages de meubles quand ils créent les appartements témoins là. Oh là là, mais oui. Voilà, j'ai trouvé mon métier d'avenir. J'arrête YouTube. Je devais c'est sa dernière vidéo. Merci. Bah, du coup, voilà, merci à tous. Grâce à vous, j'ai trouvé ma voie. Monteuse de meubles chez Ikea. C'était donc ma dernière vidéo. Je vous dis au revoir. Adieu. Adieu. Bye. Maintenant, je regarde les vidéos. Ça va faire un petit clic.